Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube Yoga du visage et Face Building par Olga Barbache. Cette vidéo est la première dans nouvelle année 2023. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous faire mes souhaits et je vais vous parler un peu de moi, pourquoi j'étais disparue pendant presque un mois. Si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Ça peut être, je pense, intéressant pour les gens qui me suivent, pour ceux qui sont abonnés. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Regardez juste la partie utile. Je suis là pour ça et ma chaîne, surtout, est là pour ça. Cette application, alors le thème que je vous propose aujourd'hui, nous corrige les rides de lapin, ce qu'on appelle les rides. Ici, dans les coins intérieurs des yeux et sur le nez, quand on fait ça, donc, vous voyez, il y a les rides qui s'installent. Et chez certains gens, à la force de faire cette grimace, ces rides sont plus prononcées. Deuxième bienfait de cette application sur cette zone, ça nous dégonfle le nez. On peut avoir le centre du visage gonflé suite à certaines opérations esthétiques avec le visage, opération du nez, opération avec les dents. Donc, quand cette partie ça gonfle, ça nous rajoute ici les pommettes. Donc, visiblement, ça fait les creux sous les yeux. Et puis, le nez, il devient plus important parce que ici, il y a les passages lymphatiques dans cette zone-là et ça le perturbe. Donc, il y a le lymphe qui se stocke ici et le nez il est gros, il est bien gonflé. Et surtout ce qui est intéressant, le troisième bienfait de cette application, en ce moment on est dans la période hivernale infernale, il y a plein de virus, on rattrape beaucoup de maladies virales qui nous empêchent de respirer, le nez il est bouché souvent, donc cette application elle soulage la respiration. Si vous avez le nez bouché, ça va vous aider à respirer mieux. Préparez vos tapes, donc c'est la bande collante comme ça, élastique, le rouleau de tape. Idéalement, il faut prendre le tape pour le visage parce que la qualité de la colle est différente. Ils sont contre anti-allergie. Moi, le tape que je propose là pour cette vidéo, ce sont les tapes pour le corps, c'est pas idéal, mais vous pouvez utiliser aussi si vous n'avez pas d'allergie à la colle. C'est pour ça que la première fois il faut laisser les tapes pendant 20 minutes à peu près, et après deuxième fois vous rallongez le temps jusqu'à 3 heures au maximum, on peut porter jusqu'à 8 heures. Après vous faites la pause de 8 heures et vous pouvez refaire. Donc vous pouvez faire ça par le cure de dizaines de jours, 7 jours ou 10 jours. Après vous faites la pause et après vous passez dans la mode d'entretien 2-3 fois par semaine. Voilà, on ne fait pas ça à vie, on fait de temps en temps les tapes, mais c'est bien de commencer comme ça à faire un peu un jour sur deux, donc avec cet espace de 8 heures. C'était possible pour cette zone là, vous pouvez porter aussi mettre pour la nuit. Pour le centre ici ça va parce que quand on dort sur le côté on ne peut pas mettre les tapes par exemple là, sur les zones de joues, le menton, les côtés, les yeux pour la nuit parce que ça on ne se contrôle pas dans la nuit et on peut avoir les plis, les rides qui s'installent, donc ça va renforcer. Je crois que je te dis, on y va. D'abord on prend les mesures, on a tous différents, la morphologie. Donc on prend les mesures, donc à partir de milieu ici, entre les sourcils jusqu'à ici le bout du nez. Hop, là je plie comme ça en bas du nez pour faire la marque. Je plie et je coupe. Donc une fois plié, je coupe. On reprend la mesure si c'est un peu trop long, donc vous pouvez découper. Voilà, hop, jusqu'au bas du nez, très bien. Après, donc vous coupez en vertical, largeur de 2 cm ou 1,5 cm, pas plus.
Ne confondez pas le sens parce que le sens c'est important. Ils sont élastiques, voilà, dans ce sens. Nous avons donc le trait comme ça, qu'on va arrondir d'un côté. On commence toujours par côté qui s'appelle côté l'encre. C'est là où on commence à fixer nos tapes. Donc regardez, je l'arrondis pour le haut. Et maintenant, je coupe en deux. Donc, chaque patte, elle doit être le plus large, c'est 1 cm, donc entre 5 mm et 1 cm. Et je coupe, mais pas jusqu'au bout, voilà, je garde à peu près 1 cm. Je peux arrondir aussi en bas, par les précautions pour ne pas abîmer la peau, ce qu'on dit, mais après, c'est pas très important. Pour le bas, ici, oui. Donc, on refait, voilà, les mesures, ça va être à peu près comme ça. Là, c'est un peu trop long, vous voyez, donc je recoupe. Si c'est un peu long, hop, n'hésitez pas à ajuster. Je remesure. Très bien. Parfait. Regardez, je déchire la partie de l'encre, le bout de papier. Je déchire, j'enlève. Je colle entre les sourcils au milieu. J'appuie, je fixe bien. Une fois fixé, je tire légèrement pour décoller la première patte. Maintenant, pour coller, comment je fais? Donc, cette application a pour le but la correction des rides. Donc, les applications correctives, on tient, on soulève un tout petit peu, pas beaucoup, hein, avec la peau. On prend le bout pour guider, donner la direction sans étirer. Je ne le tire pas. Et je fais lisser sans étirer. Et deuxième, pareil. Je tiens, je tire la peau un tout petit peu. D'abord, on décolle. Voilà. Je prends le bout pour donner la direction. Là, je soulève un tout petit peu et je fais lisser à côté du nez. Et pour que le tape travaille, on le chauffe dans l'autre sens, on chauffe la colle. Voilà. Donc, vous voyez, rien n'est compliqué. Et ce tape-là, on garde jusqu'à 8 heures. Pour décoller, comment je fais? Il ne faut pas arracher. On commence à décoller à l'inverse. Donc, j'attrape le bas. Je tiens la peau avec le doigt et hop. Par les petits pas, je décolle. Et deuxième. Normalement, vous n'allez pas avoir du mal parce qu'il n'y a pas des poils ici qui poussent. C'est pas comme quand on fait autour de la bouche où on peut faire épilation. Là, ça va bien. Voilà. Essayez. Mettez vos commentaires si vous avez senti les bienfaits de cette application pour respiration. Et vous allez voir dans quelques semaines, si vous avez ici les rides là, vous allez voir amélioration dans cette zone là et la zone sous les yeux aussi, le centre du visage, le nez qui se dégonfle progressivement grâce à cette application. Donc la première partie est terminé. Maintenant, on passe à mes souhaits pour
2023. Mes amis, pour cette nouvelle année 2023, je vous souhaite de la vivre en pleine conscience. Prenez conscience de vos pensées, avant tout. Vous savez, ils disent que montre-moi votre vie et je vous dirai ce que vous avez dans la tête. Tout commence par les pensées. D'abord les pensées, après la parole et puis les actes. Le plus difficile et le plus important, c'est de contrôler nos pensées parce que ce sont toujours les mêmes à 99% que hier. C'est pour ça que parfois on rentre dans ce cercle infernal, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne sait pas pourquoi, on râle sur tout, sur tout le monde, tant qu'on ne réalise pas que le problème est souvent dans notre tête. Ça, c'est la première chose. Trouver du plaisir dans la vie. Je vous le souhaite. Trouver du plaisir un tout petit peu dans la vie de tous les jours. Quand vous faites votre manicure, faites ça avec plaisir. C'est votre moment pour vous. Quand vous reposez devant votre film préféré, quand vous buvez votre tasse de café, savourez-le, cette tasse de café. Quand vous mangez le dessert, vous fumez la cigarette, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé, au moins prenez plaisir, parce que combien de... J'étais fumeuse, je sais ce que c'est, mais combien de cigarettes dans la journée on fume sans plaisir? Peut-être je dis n'importe quoi pour certains, parce que c'est sûr que ce n'est pas le meilleur exemple, mais quand même. Prenez conscience qu'on n'est pas éternel et profitez de chaque jour, ne laissez pas les choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour demain parce que c'est pas sûr que demain va arriver ou que vous allez pouvoir faire demain ces choses-là. Moi, j'avais les chances qui sont passées dans la vie, que je voulais faire, et maintenant, c'est impossible, par exemple, parce que les enfants sont grandis, ils ne veulent plus ce voyage en camping. Et moi, c'était mon rêve de partir avec eux en famille en camping. Et... Si vous avez envie d'acheter votre paire de chaussures qui est super chère, faites-le. Ou autre chose, je ne sais pas, pensez que la vie est courte, ne laissez pas les choses pour demain, après-demain, pour l'année prochaine. Je vous en supplie, ça va trop vite, ça va hyper vite et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Arrêtons de râler en 2023. On râle pour tout, pour rien, on n'est jamais content. Pensez que la chance que vous avez, il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas. On râle sur les enfants, il y a les gens qui ne pourront jamais avoir les enfants. On râle qu'on a beaucoup de travail, il y a les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à manger. Je ne veux pas trop rentrer dans toute cette philosophie, mais quand on prend conscience qu'on n'est pas éternel, que tout peut s'arrêter demain, la vie change. Comme on dit, on réalise que nous avons la deuxième vie. Quand on comprend qu'on n'est pas éternel. Donc la deuxième vie commence à ce moment-là. Quand on réalise vraiment que tout peut s'arrêter. Donc, c'est toutes ces choses que je vous le souhaite. Essayez de contrôler vos pensées pendant au moins quelques jours. Vous allez voir que c'est très, très difficile. Et vous pouvez changer votre vie en contrôlant vos pensées. Quand on arrête de râler, on arrête déjà empoisonner la vie de nos proches, ça c'est très important aussi, on n'y pense pas, mais souvent, et nos proches d'ailleurs aussi, hein, il faut qu'ils pensent aussi à garder son négatif pour eux et ne pas mettre tout sur nous. Et bien sûr de l'énergie, la bonne énergie, la belle énergie, c'est ce que nous avons le plus cher, c'est ça qui nous permet de se lever le matin, de faire tourner la terre, de aider à nos proches, de travailler, de faire cet échange d'énergie. Quand on est à plat, on est triste, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, il n'y a pas pire. Et où la trouver?
Eh bien, dans le plaisir. Si vous aimez faire la danse, par exemple, faites les priorités de ça. Des fois, il vaut mieux prendre soin à soi-même, à se faire des petits plaisirs comme ça, que penser aux gens qui sont autour de nous. Parce que si on n'a plus d'énergie, on ne peut plus rien donner aux autres. Et votre plaisir, c'est la ressource. C'est la base de tout. Pensez-y. L'année dernière, à la fin de l'année, c'était particulièrement très très dur pour moi parce que j'ai perdu mon papa. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté un peu de travailler. Je ne pouvais pas faire les vidéos. C'était impossible. J'étais vraiment pas bien, pas dans bon état pour faire quoi que ce soit. Et puis j'avais la grippe. C'était la fin de l'année et le début de l'année, c'était très difficile. Très très dur de perdre les proches. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont vécu ça, qui comprennent. Il faut faire son deuil. Il faut du temps. Mais ce qui était particulièrement dur dans mon cas, c'est que mes parents vit en Ukraine et dans la région où je peux pas, je n'ai pas pu aller, je suis toujours pas allée à cause de la guerre. Et ma maman, elle est toujours là, elle est seule. Et j'ai pas pu aller faire mes adieux, j'ai pas pu aller à l'enterrement de mon père. Et je réalise toujours pas qu'il est plus là. C'est très difficile et j'ai beaucoup de la haine à l'intérieur de moi contre la guerre, contre certains gens, contre ce système, c'est difficile d'avancer. Difficile, mais malgré tout, je continue. Pour mes proches, pour moi, parce que la vie c'est un cadeau et tous les jours c'est un petit miracle qu'il faut qu'on fasse soi-même. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions pour se ressourcer, à trouver des petits plaisirs pour avancer, et c'est comme ça qu'on y arrive. Je veux pas être triste, vous ramener la tristesse par cette vidéo, mais j'avais besoin de vous dire ça, de m'excuser de mon absence, de messages, de vos commentaires sans réponse. Je vais les tous retrouver, relire, je vais vous répondre. Ce sera toujours avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. J'ai encore et toujours beaucoup de choses à partager avec vous. J'ai de nouveaux projets. Donc n'oubliez pas à vous abonner sur ma chaîne si ça vous a plu. Si vous trouvez que c'est utile, vous pouvez mettre sur le like. Comme ça, il y a d'autres gens qui pourront voir cette vidéo. À très bientôt et pensons-y de rester connecté à la réalité, de se dire de temps en temps dans la journée de quoi je pense, pourquoi je pense à ça. Se poser toutes ces questions, c'est le début de grands changements. À très bientôt.